La première ministre Elisabeth Borne s'est présentée sur le plateau de Télématin, émission diffusée sur France 2, ce jeudi 27 avril, pour s'exprimer sur l'actualité politique. Au cours de l'échange, la femme politique de 62 ans a été interrogée sur sa passion pour le cinéma, qu'elle partage avec son fils, Nathan. Il paraît que vous êtes fan d'Elastigirl, l'héroïne des Indestructibles, le film de Disney ? Ainsi demandait Thomas Soto. Ce à quoi l'ancienne ministre du Travail a répondu avec franchise, « Je vous le confirme, je l'ai découverte avec mon fils et c'est bien, il faut mettre de l'énergie pour régler les problèmes. » Ce goût pour le cinéma et les blockbusters, Elisabeth Borne l'avait également évoqué lors d'une interview avec le magazine Elle, publiée en décembre 2016. La femme politique assurait ainsi qu'elle déconnectait de sa vie professionnelle en sanctuarisant ses week-ends et en partageant des moments avec sa famille. Très proche de son fils, la première ministre avait notamment révélé que son fils était fan de cinéma et qu'ils avaient été voir le film Avengers ensemble. Supérieur à découvrir les ministres du gouvernement Borne Elisabeth Borne, qui est son fils, Nathan ? Si Elisabeth Borne semble être une maman attentionnée, elle est aussi particulièrement protectrice. La preuve ? Elle n'évoque que très rarement sa vie privée et notamment son fils, prénommé Nathan. Né en 1995, le jeune homme est le fruit de son histoire d'amour avec son ex-époux, Olivier Alix. Sur la page LinkedIn de Nathan, on découvre qu'il a été attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Panthéon Assas, à Paris et qu'il a obtenu un diplôme de droit à l'université de Paris-Est Créteil, en septembre 2022. De quoi faire la fierté de sa maman. À titre plus personnel, j'ai un fils qui a 30 ans, qu'évidemment j'admire beaucoup. Avait ainsi indiqué Elisabeth Borne sur le plateau de l'émission Quotidien, le 30 août 2022. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, France 2.